Bon, je vais essayer de bien gérer mon infiltration. Principal. Ah, journal. Non, je le dis juste après. You with Page's group? Yeah. They just turned in. Mind if I take a look at the ship? The FEMA people don't want a lot of traffic through. Got something sensitive going on with the Chinese. I'll stay out of the way. If I was you, I wouldn't even look at this ship unless I was damn sure I was needed. Why don't you turn in? I'm late. Let me pass. The gate stays closed. Actually, our orders are to shoot anyone who tries to get in. We won't go that far, but don't expect a warm reception inside the perimeter. Ok, j'étais parti pour vous péter. Désolé, j'ai buté deux de vos collègues. Dommage collatéral. Oula. Ça fait des rares en moins. J'avais dit que je lirais le journal.
pardon. Alors, les recherches du chef terroriste s'intensifient. APR New York. L'UNETCO travaille actuellement en étroite collaboration avec la FEMA et d'autres services internationaux de sécurité pour appréhender le dénommé Psycho, un terroriste lié à certains groupes de subversion, notamment les NSF, Silhouette et des gangs de crimes organisés à Hong Kong. Nous pensons qu'il est responsable de la préparation et de la réalisation de l'attaque de Liberty Island et de la mort d'un certain nombre d'agents de l'UNETCO, a déclaré Walton Simmons, directeur de la FEMA. La nécessité de déclarer la langue martiale à New York, et ce pour la première fois dans toute l'histoire de l'Amérique, est la regrettable mais inévitable conséquence de la présence de criminels extrêmement dangereux agissant à l'intérieur de ses frontières. Simmons a ensuite révélé que les preuves découvertes dans les décombres de l'immeuble Versalife à Hong Kong impliquaient formellement le terroriste connu sous le nom de Psycho, et que cette série d'attentats est le début d'une campagne de terreur totale, appelée CTT, dont le but est l'extorsion par tous les moyens de la liberté au profit d'idéologies politiquement dangereuses. Les autorités sont aussi à la recherche d'informations sur la localisation d'Alex Jacobson et de Brian Jock Flanagan, figures emblématiques de l'organisation terroriste. Oh les cons. Qui est posé en plus. Oh merde. Parcours d'obstacles à la con. Je suis mauvais. C'est pas une découverte. Je suis mauvais. Suite, mais dans la gueule, je suis perdant. Ah, soupir. Thank you.
Je peux le faire, je peux le faire. Non. Ah, j'en ai combien des grenades lacrymo? Sinon, celle-là, je la fais péter. Ah, j'en ai 9. Non. Oh, je pense que je peux l'avoir. Je finirai bien par l'avoir. On voit que je joue avec une souris classique et j'ai plus ma souris de joueur, parce que j'aurais une précision extrême, j'aurais un taux d'échec faible en fait. Et là comme je suis en galère avec la résolution, ouais j'y arrive pas. Non, presque. Faut presque que je clique au bonheur la chance. Bon allez, tant pis. Celle-là, je l'abandonne, je la fais sauter à distance. J'attendrai que les gaz se dissipent. Salut. Trop drôle. You got a strange sense of humor. Thank you.
consomme plutôt bien. You got a strange sense of humor. Goddamn terrorist. God! It's perfectly safe. Je pense que pour ce qui est du reste, je vais pouvoir me promener. Merde. Caméra à la con. Ah, ça c'est très bien ça. Très bon choix. Oh la Navy. Putain, c'est des codes zéro. Oh, info cube. De Aston Green à agent Paul Wood Jenkins. Une fois sur place, vous devez prendre le contrôle. Quoi ? Alors attends. Merde, mon coussin des fessiers mal posé. Ça me donne presque mal au crâne. Une fois sur place, vous devez prendre le contrôle du système de sécurité du chantier naval de Brooklyn et établir le contact avec les responsables de la FEMA en position. Le login est US FEMA et le mot de passe est Security. Avec un S majuscule. Cela fait, faites-en parvenir le compte-rendu à Simmons. Aston Greer, directeur de sécurité de la FEMA. US FEMA Security. US FEMA Security. Ok. D'accord, il s'est foutu de ma gueule. Oula. Oh. Oh. J'ai vu quelque chose qui m'a bien plu. Code de l'armurerie de l'entrepôt. Oui, oh. C'est ça le... Non, il y a
ça c'est quoi ça? Ça doit être les mêmes, je pense. Alors, info cube de Captain Jenkins à tout le personnel de sécurité. Sujet, consigne de sécurité. Jusqu'à nouvel ordre, tous les accès au complexe sous-marin avancé, le CSA, sont limités au personnel de sécurité autorisé et à ceux de la FEMA. Toutes les personnes de sécurité doivent se considérer en alerte rouge. Toutes les entrées ont été scellées et les codes sont changés quotidiennement. Celui d'aujourd'hui est 0909. Les prochains codes vous seront transmis par votre supérieur hiérarchique direct. Ces codes ne doivent en aucun cas être communiqués à d'autres personnes que les personnels de sécurité autorisés et à ceux de la FEMA. Captain James Keane, chantier naval de Brooklyn. Le code quelque part. Oh, j'ai qu'ils ont plus de matraque. Oh. C'est un extérieur, ça. Cool, le mec avait une glo. Putain, on entend, mais je vois pas. Je crois que j'ai gagné le droit de me promener dans l'entrepôt. Immense. Obligé qu'il y a des trucs de planquer, des bonus, c'est obligé. Attends, c'est quoi que je vois là-bas? Non. D'autres les lumières de la ville. Ah.
C'était mon arrivée, ça. Merde. Ouais. Ah d'accord. Je crois que c'était sur le 10. Je vais faire un de ces putains de carnage. Hello. Merde. Merde. Ah mais merde. Je fais de la merde. En fait, c'est considéré comme un mur. Donc je peux pas les atteindre. Fais chier. Oh non! Il m'a même pas vu. Sérieux? Mais le gars, il m'a même pas vu. J'ai commis mon homicide, mon meurtre et... Thank you.
clé du portail principal. Ouais, d'accord. Ils sont laissés dehors, c'est la guerre civile. Mais en fait, je suis revenu à mon point de départ. Infocube. Et Bobby, devine quoi? Quelqu'un a piraté notre système, détruit certains fichiers très importants et a fait quelques dommages au niveau du système d'exploitation quand il s'est déconnecté. J'ai dû formater l'ordinateur. Chacun recevra de nouveaux logins pour le compte. J'ai installé un programme de sécurité de pointe pour nous protéger des futures attaques. Pour le moment, l'ordinateur ne peut pas être accédé qu'avec le bon nom d'utilisateur, le mot de passe ou rien ne s'affichera à l'écran. Cela donnera l'impression qu'il n'y a rien du tout. Crois-moi, c'est une bonne chose. Oh, et à propos, je vais être parti cette semaine. Il y a ce truc d'entraînement d'arts martiaux à Miami. Durant ce temps, je ne pourrai pas te contacter, alors je vais écrire les infos de login ici, ok? À ne pas perdre. Nom d'utilisateur, Zenman, mot de passe killer. Garde ce message dans un endroit sûr. Zenman killer. Zenman en minuscule, merde, pardon. Killer, c'est ça? Ah, c'est ça. À côté du portail. Ah, 6652. 6652. Oh. Oh oui! De TNT, c'est con, j'en ai balancé une dans les eagles en rigolant en arrivant. Mais là j'ai des boîtes à faire sauter, ouais, puis eux là ils ont pas de TNT. Ah, oh, je regrette d'avoir fait le con avec le TNT. Puis il y en a pas à mon point de départ. Hein. Ah, j'ai fait le con avec la caisse de TNT dans les égouts, ben j'aurais pas dû. À moins que je trouve une caisse de TNT. Dans l'entrepôt. À mon avis, c'est faisable. J'ai encore plein de trucs à faire, c'est merveilleux. Oh putain! Ah bah j'ai ça que je suis con. Oh ouais, mais c'est lourd. Ah merde. Je vais pas utiliser les muscles pour apporter le bidon d'explosifs jusqu'à là-bas, quoi. You a supervisor? Whole place been turned upside down ever since they opened that sub pen. Il va se rebuter. Oui, il va se rebuter. Attends. C'était quel... Pas de conneries. J'ai bien, si je dis pas de conneries, il va pas me tirer dessus. Oui. Ah merde, il avait rien sur lui. Bon, c'est un incident collatéral. J'ai rien derrière.
pas de caisse. Pourquoi elle fonctionne cette caméra là? Pourquoi j'y ai pas eu accès? Oula. J'arrive où si je vais là? Bah! Oui, j'ai pas l'air con. Je retourne dans l'entrepôt. Oui, il y a des trucs, c'est les codes zéro. J'ai vu une grenade glow qui est posée près d'un accès. Oh putain! D'où il sort lui? D'où il est sorti le... Je sais pas d'où tu sors toi, mais t'es mort. Bien, merci pour la glow. J'adore. L'infiltration est si excitante. C'est sweet. Putain, j'ai plein de caisses à dévaliser que j'ai pas encore faites. Thank you.
Ah, elle est fixe. D'accord. On est d'accord que la dent de dragon peut ouvrir les portes. Il y a trop de trucs à faire. Je sais pas où donner de la tête. Si je pète un carreau, l'alarme va forcément se déclencher. C'est obligé. Donc c'est pas forcément la truc à faire. En même temps, si je peux faire l'économie de... Je sais pas si ce que je fais est la bonne solution. Oh, j'avais pas vu le coffre-fort. Puis il y a un journal à lire. Oh, mais c'est le bonheur. Ah, ah. Je suis sûr qu'avec l'ordi, je déverrouille le coffre-fort. Chiche. Ah oui, c'est vrai que j'ai des mails à lire. Que j'ai copiés d'un précédent ordi. J'ai toujours pas lu. J'ai une tonne de lecture qui m'attend, en fait. Oh là 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 là. Bon, je vais avoir mon quart d'heure de lecture. Putain, c'est obligé qu'il y ait les nanocodes quelque part. Obligé. Ah, infocube. De Walter Simmons. D'accord, le grand méchant, à agent Paul Jenkins. Au cours de mon contrôle des mesures de sécurité ce matin, j'ai marqué une faille potentielle de notre système au bureau de sécurité de l'entrepôt Ouest. Merci d'en modifier immédiatement le code en 2249. Nous trouverons une solution durable ultérieurement. Walter Simmons, directeur de la FEMA. 2249. Bureau de sécurité de l'entrepôt Ouest. Ah, ce jeu de pistes qui m'excite. Ça va. Dans mon cas, je peux pas là. Il n'y a pas de digicode.
Moi, je veux bien essayer, mais bon, c'est pas... Je vais prendre encore une tonne de... Ça va, j'arrive à faire des trucs corrects. Si déjà je mets ça là... Voilà. Que j'arrête le... Hop là. Et que je commence par ça. Attends, ouais, il faut que je l'aie dans la ligne de mire. Ouais, je peux le faire au furtif, ça n'a pas d'importance. Qui c'est qui soupire? Les fumées sont chiantes ou ça va? Non, ça va. Disons que j'ai le droit à quelque chose. Ah, passe-partout! Oh yes! Une grenade virale. Rien que pour passe-partout, je suis content de ma manip. Est-ce que j'ai d'autres trucs congiclés comme les... Oui! Pistolet, je m'en fous. Ah oui, c'est des mini-flingues à un coup, ouais, pour les espions. Oh là là, niveau 1, niveau 1, c'est gentil. Alors, armoire à fourniture et bureau du commandant. Oui! Je dis oui, ma couille. Trop stylé. Alors, pourquoi vous êtes planqué là-bas, vous? Haven't seen you in a week. Where you been? Ah, workers camp. Messed up my hand while I was working on the sewer shutoff grate. Damn thing came down and nearly took off my whole arm. Oui. You gonna be all right? Yes, okay. They told me they were gonna fix it. Of course, they waited until after I got hurt to do it. I saw a bunch of folks working on that shed out back a few days ago. Figured they must be tinkering with the control valve, sure enough. What's up with this place anyway? On the way in, some goon with a gun frisked me from head to toe. Told me to watch my step. FEMA, sure. After they declared martial law, they came down on this place like they owned it. Shut off the sub pin, threatened to shoot anyone got close. Yeah, I saw them goose stepping around back there. Christ, this place is going to hell in a handbasket real fast. Wonder what the union's got to say. Right now, the union ain't got nothing to say. You supposed to be taking over around here? Hey, I know my job. You want something else out of me? Talk to the union. Il est rigolo, lui. Reste à faire, c'est faire mumuse avec les explosifs. Putain. Merde! Il s'agit d'être précautionneux quand on manipule des explosifs. Oh le con! Thank you.
merde. Putain. Hypersensible le truc, je me suis mis accroupi, il explose quand même. C'est nul. Comment je peux faire pour qu'il m'explose pas la gueule? L'autre j'y avais réussi, puis celui-là il veut pas. Voilà! Merci. Tiens, d'ailleurs, je peux... Voilà. Je me suis auto-réparé. Ah, elle est bonne, celle-là. Oh, tiens, j'ai fait sauter le... un bordel en plus. Oh. Ah oui, mais c'est excellent d'ailleurs. Je suis en train de me dire là. Je repars comme neuf avec ça. Alors, caisse métallique possible. Ça doit toujours servir. Alors, du coup, le panneau de contrôle a giclé. Mais je sais pas à quoi ça correspondait. Digicode. Eh ben, c'est pas ce qu'il m'a dit. Non, mais c'est pas ça. C'est pas le 2249. Un code à 7 chiffres. Oh putain. Un code... Non, je n'ai pas le code à 7 chiffres. Je l'aurai plus tard, là. C'est pas possible. Je m'en fous. Ah, puis moi, oui, il y a ici aussi que j'aurais fait sauter le bordel. Oui, mais du coup, je peux y aller joyeusement parce que, comme j'ai un robot qui va me recharger. Voilà. Je vais te tirer de très loin puisque... Puisque le souffle est important. Ah oui, ah oui, j'ai même niqué ma... D'accord, ok. Ah, même la porte, elle a été soufflée, d'accord. Ah, mais tout a été soufflé en fait. Ah, mais c'est génial. Même le riz a été soufflé. Pour le petit déjeuner. Fallait que je la fasse. Désolé. Attends, c'est quoi ça? Attends, 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 attends. C'est pas des trucs anti... C'est pas des trucs anti-incendie au plafond, c'est quoi? Ça, c'est les lampes, néons. Mais ça, c'est quoi? Ça m'inspire pas confiance qu'il y a au plafond. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, ça bouge pas quand je tire dessus. Hey. Je peux pas la bousiller. Alors j'ai une tonne de trucs à lire. Code de la réserve d'armes rajouté. Ah oh, bah c'est bon, ça a un bon de crédit 100. Ça c'est... Oh! Quelle délicate attention. Ce chargeur rapide est bien que ce soit le temps nécessaire pour recharger une arme. Je mettrai dans la... C'est vrai que j'ai une tonne de choses à lire, j'ai toujours pas lu. Putain, je peux pas l'atteindre sans être vu. Si je fais ça... Là, ouais. Je suis caché derrière la plante d'intérieur, tu peux pas me voir. Le décodeur, il a failli... Ah oui, j'ai dit, mais pourquoi je vois bleu, en fait? C'est le sabre, la dent de dragon, qui permet, en fait, c'est un néon portatif. Mieux qu'une épée. Le néon portatif. Oh, la merde. Putain. Moi, je veux bien essayer quelque chose, mais ça va être chaud. Cochonnerie. Hop, dégagez-moi tout ça. Je m'en fous. Bon, crédit, c'est sympa. Barre chocolatée. Ah bah, je suis en pleine vie, ça va. Ça va pas m'aider. C'est quoi ça? Arbalète miniature. Ah, j'en ai déjà une, elle est optimisée. Vous l'avez dans le fion. Alors, ordinateur personnel. Je vais avoir 15 000 trucs à lire. Et à mon avis, des doublons. Oui, à mon avis, c'est des doublons. Par principe, j'ai copié, mais à mon avis, c'est un bis repetita. Oh, j'ai pas vu. Info cube. Ah, j'ai gagné une image. Image que j'avais déjà, apparemment. Ouais. Alors, pire des bordels. Ouais, non, c'est la même chose. Enfin, je crois, mais... Allez. Ah, une bio-cellule. Ah oui, chargeur, j'adore. Capacité maximale atteinte. Ah la résistance infinie, ah ben je peux pas faire péter à la... Attends, on va sauvegarder, on va voir si ça vaut le coup. Ah bah ben, j'ai peut-être la clé. Ah non, je l'ai pas. Est-ce que ça vaut le coup? Sinon je suis... Grenade, hein. Ah oui, non, si ça vaut le coup. J'accepte.
on est d'accord, j'ai tout fait. Hein. Tout a explosé. Ah, non, mais non, j'ai pas fait le coffre-fort. Ah, puis j'ai pas lu le journal. Oh là là là. Est-ce que j'ai le coffre-fort? Non, je l'ai pas. Ah, merde. Merde, merde, merde. Trois passe-partout. Bon, allez, je lis d'abord, et puis je fais le coffre-fort après. Alors... Page dévoilée, Aquinas, APR, Washington DC. Au cours d'une somptueuse conférence de presse qui a rassemblé aujourd'hui de nombreux journalistes, des médias généralistes et techniques, Bob Page a dévoilé la dernière petite merveille technologique des industries Page, l'Aquinas, dont certaines rumeurs prétendent qu'il a nécessité près de 5 années de développement et l'investissement de plus d'un milliard de crédits. Aquinas serait le remplacement transparent et continu de l'actuel patchwork du protocole NET, un nouveau protocole qui devrait permettre à ses utilisateurs de développer radicalement la largeur de bande sans avoir besoin de changer de matériel. Aquinas est le résultat d'années d'efforts de 500 hommes et femmes qui sont tous parmi les plus talentueux, les plus créatifs et les plus passionnés du monde industriel, a déclaré Page en préambule. Nous sommes reconnaissants envers la NSA et la commission de la haie traitant des communications sécurisées pour avoir confié à Page Industries la responsabilité de ce jalon qui marquera l'histoire de la technologie. Dès midi, vous pouvez vous attendre à ce que la grande majorité du trafic du réseau mondial passe par Aquinas. La largeur de bande est désormais, et quels qu'en soient les usages, totalement libre. La suite de la conférence de presse a consisté en un tour d'horizon des pourvoyeurs associés aux industries Page et à une discussion technique du protocole Aquinas, nommé ainsi en référence à Saint Thomas d'Aquin, dont les préceptes philosophiques sont depuis longtemps une grande source d'inspiration pour Bob Page. Eh ben dis donc. Alors, ce que j'ai pompé des mails. Alors, je vais lire dans l'ordre chronologique inverse. Alors, deux, opération 8NS sur le net militaire, là, à destination de tous. Sujet SOP 16453C3. Vous êtes informé qu'à partir d'aujourd'hui, tous les robots seront en service sur la base d'un roulement bi-hebdomadaire. Pour tout problème avec un robot, adressez-vous directement au bureau des opérations. Les personnels non autorisés ne doivent en aucun cas essayer de modifier le système réparateur d'un robot. Alors toujours la même source à destination de tout le monde. Rappel concernant la peste grise. Nous vous rappelons que tout membre de personnel présentant des symptômes de la peste grise, voire description, blablabla, ou étant entré en contact avec une ou plusieurs personnes contaminées, doit se rendre immédiatement à l'hôpital de la base pour y être traité. Encore des instructions. Autorisation CSA. Toutes les autorisations d'accès au complexe sous-marin avancé CSA sont annulées. L'accès est désormais restreint au personnel de sécurité et ceux de la FEMA, et aux individus porteurs d'autorisation FEMA. Nous devons nous considérer en alerte rouge, et la force armée sera utilisée pour contrôler le périmètre. Pour toute question, contactez le capitaine James Keane. Alors, de Walter Simon à Jean-Paul Junking, dans mon contrôle de... Oui, j'ai déjà lu ça. Voilà, le bureau de sécurité de l'entrepôt Est, c'est le code 2249. Ah, de quoi? Oui, bah, c'est ce que j'ai lu. Ah, de Pinyin à au grand méchant, là... Walter Simmons, sujet VersaLife. La situation VersaLife a été corrigée. Toutes les preuves de l'implication du MJ-12 ont été déménagées des décombres de l'immeuble, ce qui inclut les preuves de deuxième et troisième catégorie, ainsi que les corps des personnels compromettants. Ah, les salauds. Ils ont nettoyé les... Ah, les salauds. Nous avons abandonné des objets impliquant Dayton et ses associés aux yeux de la presse, et les premières retombées sont positives. La production de lames non-eutectiques LNE est provisoirement suspendu et transféré dans d'autres centres technologiques. Les répercussions sur le programme établi seront minimes. Agent Peter Yin. Alors, de G. Herman à Walter Simmons. Sujet, il est parti. Ah oui, le sacré Herman, faut que je bute lui. J'ai sans repos cherché ce traître de J.C. Denton ou Psycho, comme il se fait appeler, mais il n'est plus à Hong Kong. Je dois retourner à New York, mais je le retrouverai. Je vous remercie de m'avoir confié cette mission. Je ne vous laisserai pas tomber, vous et Anna. Gunther Herman. Alors, de Wigalm à Wigalm, je sais pas, de l'internet militaire, à destination de Walter Simmons. Sujet, réponse à la requête de sécurité.
Alors, très bien, monsieur, veuillez accepter mes excuses. Je vais veiller personnellement à ce que vos ordres soient exécutés précisément et rapidement. Faites-moi savoir si quoi que ce soit d'autre doit être fait. Alors, ah oui, c'était la réponse de Simmons. Il a dit quoi ? La FEM a requis votre collaboration active pour affronter cette situation de crise et vous êtes légalement tenu de nous l'accorder. Nous essayons actuellement d'éliminer une population d'insectes susceptibles d'être porteuses de la peste grise. Si vous n'accomplissez pas tous les efforts nécessaires à la réalisation de cette opération, vous aurez à en répondre à la cour martiale. Pour toute question relative à mon autorité, contactez le sous-amiral Ratchek. Je me demande si c'est bien là le meilleur usage du CSA et si c'est une bonne idée de placer les personnels de la Navy sous l'autorité de la FEMA. Une fois que le Wall Cloud aura accosté... Ah oui, le Wall Cloud, c'est le nom du navire, ok. Une fois qu'il aura accosté, le complexe sous-marin sera bouclé et les seules personnes de sécurité autorisées et ceux de la FEMA pourront y accéder. Vous travaillerez avec l'agent Jenkins à la bonne coordination de ces mesures. Les hélicoptères arriveront peu après pour être équipés de pulvérisateurs et chargés des pesticides contenus dans le bateau. Oh les salauds, ils vont contaminer la population new-yorkaise avec les hélicoptères. Le temps de faire le plein dans le navire, ah, c'est atroce. Alors, de P. Jenkins à destination de Walter Simmons. Sujet préparatif. J'ai transféré les dernières consignes de sécurité et communiqué la météo et les marées prévues pour les 12 prochaines heures. Le Wall Close devrait accoster avec un peu d'avance sur le programme à 18h40. Toutes les autorisations d'accès aux pénitenciers sous-marins ont été annulées et à l'exception d'une petite équipe de maintenance, toutes les personnels de la base ont été évacués du complexe. Je coordonne la sécurité avec le capitaine Keane. Nous devrions pouvoir commencer le chargement des hélicoptères dans les 2 heures qui suivront l'arrivée du Wall Cloud. Je vous recontacte dès le début de l'opération, agent Jenkins. Et le reste, je l'avais déjà lu, je crois. Bon, bah on va se faire... Ah, résistance, attends. Je peux pas... Attends. Avec un peu de chance, je peux mettre un tonneau d'explosifs devant le... Devant le... Merde. Je vais me rattraper. Et le robot, je vais trucider. Pourquoi ça explose pas? Putain! J'arrive même pas à tirer quand il faut. C'est du tout cuit! Je peux peut-être l'éliminer. Le problème, c'est que je le vois pas arriver. Oula, oh l'écran il est horrible. Oulala. Oulala t'es qui là? Ah merde. Ah.
Oh là, attends. Je vois plus rien là, tue-moi parce que non, c'est... la lumière est telle que je sais plus où est-ce que je dois cliquer. Le contraste a été violé. Non mais attends, c'est un truc de dingue. J'ai merdé mon tir. Dommage. Je suis sûr que je peux l'avoir, l'enfoiré. Sûr. Hop là. Fais le pattern là. Il bouge plus ce con. Merde. C'est pas ce que j'avais prévu. Il est retourné sur son chemin de par défaut. Merde, je pourrais jamais passer entre. Si. Non, dégage! Si j'ai plus besoin de... Merde, j'avais pas qu'il y avait une caméra, moi. La caméra qui m'a pas vu. Ah, le poste est là-bas. Ouais, mais là, il va me voir. Hein. Non ? Il est con as fuck. Avec un peu de chance, il est con as fuck. C'était bien tenté. Mais ça n'a pas fonctionné. Dommage, on y a cru. Ah merde alors. Là, je présume que je peux pas me précipiter dans le... Oh, pas mal. You won't believe this, JC. There was a raid on smugglers. I just saw Gunter get into a copter on the roof. Head back to Yanatco. I don't think smuggler got out in time. Just thought you might want to know. Oui, bah, je me sens le passeur. C'est quoi ça? Code de niveau 2. Valve de contrôle des égouts. Alors, je
Saboteur. Ah, c'est quoi ça? Ah, ce genre. Ouais. Il y a quoi là-dessous? Ah, une petite caisse en cadeau. La caisse en cadeau. Je crois qu'il y a un passe-partout qui m'attend. Le passe-partout en récompense. Youhou! Ça y est, ils sont tous à l'arrêt. Ah bah j'aime bien. Bah du coup, j'ai gardé mes bidons explosifs pour moi. C'est quoi un 2-3? C'est quoi la bogey de surprise? On va commencer par le 1. C'est quoi? Alarme! Nous avons des caisses de TNT en cadeau! C'est une énorme opportunité! Mais pourquoi tu gueules? Ta gueule! Oh, des flèches anesthésiantes! J'apprécie le cadeau! C'est la fête, c'est la discothèque, elle est numéro 2! What? Ah, c'est sympa le matos militaire! Oh mon dieu, j'ai déjà trop de roquettes. I am a rocketer. Tu dis oui? C'est quoi ça? Grenade magnétique. Et enfin, la troisième grande porte. On se fait plaisir. J'ai l'impression de jouer au juste prix et j'ai le droit à toutes les vitrines d'affilée. Ouais. T'as, j'ai eu peur! Heureusement qu'ils étaient aussi dans la même programmation. Arrêtez de me foutre les jetons. Ah non, je m'en fous ça. Pourquoi j'ai envie d'être très très vilain et que j'ai envie de détruire... Ou alors non, je me les garde sous la main et puis... Oh, ce serait terrible. Je sais pas, on verra. Bon, oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai un coffre-fort à faire sauter. Ta-ta-ta-la, du liquide inflammable. Mais c'est parfait. Ta-ta-la, doucement. Voilà, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, on y va tout doux. Tout doux. Comment ça? Voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Hop là. Oui, je sais même pas si je vais pouvoir. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le faire depuis la fenêtre. Un vrai tir de snipe. Attends, je peux. Ah, je pourrais. Ah non, c'est trop... L'angle est trop bas. Je suis obligé de le faire. Elle me fait chier à l'ordi là. Je peux pas déplacer l'ordi? Non, j'ai pas le droit. Le mec il renverse le meuble. Ou alors, je pousse le vis à poser une caisse de TNT sur le bidon et là, de la fenêtre au loin, je peux le dégommer. À la rigueur. Ça va chercher loin. Mais c'est en théorie valable. Bon. J'y crois pas. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Et là, la TNT, tu la vois depuis... Allez. Oh, je peux même me mettre à genoux. Ça me permet de stabiliser. J'espère que le coffre-fort va sauter. Et pas son contenu. Loupé. Oh, cette magie du démon. Oula! J'ai refait la déco du... Oh oui! Ah merde, pourquoi j'ai pas de place?
Oh, la joie de cambrioler les militaires. C'est quoi ça? Poumon amphibien. Ah bah non, mais je l'ai déjà... Ah merde. Je suis déception. Sinon, c'est quoi l'infocube? Ah, j'ai gagné une image. Encore une? Oh, j'avais déjà... Choupir. Putain, mais j'ai tout fait péter. Laisse tomber. Bon, en attendant lui, il peut le recharger. Vas-y, magouille. Ça mène à où, ça? Ouais. Honnêtement, je sais pas où je suis. C'est quoi ça? Ah! J'ai fait une connerie. Mais non, mais non. Merde. Ça se referme pas. Voilà, là, comme quoi la curiosité est un vilain défaut. Ah oui, j'abandonne le... Oui. J'abandonne mon idée. Ah ouais. Non, sérieux? Putain. Ah. Ah oui, d'accord, ça fait partie de la sentinelle qui... Oh putain, j'ai eu peur. Attends, je ferais peut-être bien de pas me faire voir, moi. Donc on est d'accord, hein, je peux pas ouvrir la porte. Ben, je vais la faire sauter. Je vais aller chercher un petit bail en cadeau. Attention, mes amours, excusez-moi. Je viens chercher l'artillerie lourde. Oui. Naval avant 17, je sais pas quoi. Oh, mais c'est parfait ça. Pourquoi je veux de la fumée? Qu'il y avait un gaz pas avouable dedans, mais au moins c'est fait. On va attendre que ça se dissipe. Qu'il y a rien d'intéressant. Attends, je me parle, mais y a rien d'intéressant. Il
ça émet davantage de gaz, mais... Attends, c'est quoi cette merde? Je vais faire le test hein, pour le fun, mais... C'est du foutage de gueule. Attends, c'est juste pour regarder dedans une fois que le gaz se sera dissipé, s'il se dissipe, parce qu'il y a eu de la concentration, bonjour. Mais c'est trop bizarre. Ce soir, j'avais l'intention de me faire un bol de lait avec des céréales, mais je commence à avoir faim et il est même pas 18h, je me demande si je vais pas me faire finalement des pâtes à la sauce tomate. Tant pis. Mais franchement, c'est un entrepôt de peste grise, c'est tout. Le truc est archi nul. Pour moi, ça me donne rien. À part, bon, il y a d'accord, il y a le gilet pare-balles, mais je m'en bats les steaks. J'en ferai rien, alors. Donc, vous allez voir que je réalise les objectifs. Ah, trouver l'entrepôt de munitions, investissez les bunkers pour trouver des glow et des roquettes supplémentaires. Ouais. Et couler, ouais, bah oui, couler le bordel. Et à bord, si je trouve de l'ambroisie, il faudrait que j'en... Qu'est-ce qu'il me dit? Try taking the elevator to the top of that crane. You might be able to get on the roof and enter the building through the air conditioning ducts. Cool. J'apprécie tous les petits cadeaux. Tous les petits cadeaux de l'amour. C'est la partie arrière de l'entrepôt, dis donc. D'accord. Pas eu accès à cette caméra. Non, elle est pas mécontente de me voir. Et ça c'est quoi? Non, c'est un néon. D'accord. Les cartes sont plus grandes que ce que je ne pensais. Si je vais là, j'étais... Oh merde, je me suis fait mal. C'était un raccourci en fait. Ça déconne zéro. Ouais, peut-être que j'essaie de la récupérer. Ah, c'était là d'où je venais. D'accord, je comprends mieux.
Ok. Non. J'ai merdé. Pourtant, ça vaut le coup de récupérer une glow. Une glu. Oh non, j'ai cliqué sur le moment. Oh là, j'aurais dû l'avoir. Je suis deg. Ça s'est joué à un centime de seconde. Là, j'ai merdé. J'avoue, j'ai merdé. Oui, je l'ai eu. Ah bon. Donc je serai à bord du navire. Ah non. Ah si, ça m'emmerde de nager. Mais effectivement, oui, je suis au cul du navire. Nothing. Repeat nothing here. Son of watch yourself. This one's some kind of mech. Remember the briefing. Il m'a fait trop mal là. Enfoiré, il m'a eu en beauté.
Ah, j'avais fait deux tirs magnifiques. En fait, faut que je me fasse le sniper d'abord. Le sniper sur le sommet du navire. Il est où ce con? J'arrive à l'avoir. Son of a... That's him. Watch it. He hasn't gone far. Forget it. He's gone. Apparemment, je l'ai touché, mais pas mortellement. This posting sucks. Lorsqu'un sniper en rencontre un autre, putain, j'avais peur qu'il y avait du monde dans mon dos. Alors là, j'ai réussi un coup magnifique. Ils sont comme... Watch yourself. This one's some kind of mech. Non, je vais recharger, parce que... Normalement, faut que je fasse un bal à un mort sans me faire repérer, sinon c'est... C'est la caca, comme dirait Maxime Robinet. C'est la caca. Putain, je sais pas qui c'était, mais... J'avais une occasion de le buter. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, si le résultat est valable. C'est des bons tireurs. Je peux pas tester.
to say the guy's got some new kind of implants. Bouge trop, c'est Jinenten. Je sais pas si je l'ai vu, je crois pas. Where'd he go? Forget it. He's gone. Effectivement, il est parti. Il est parti au paradis. Putain, radioactif. Attends, il y a de ces trucs, mais c'est la folie ici. Mais il y a une brèche dans le bateau. Une brèche dans la coque. Asiatique, on sait même pas quoi. Oula, ça fait peur. Oulala. Putain, le mec il dit soldat d'élite. Laisse-moi rire. Ah. Il y a un truc ici, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Apparemment, on a des clampins d'ouvriers. Oh merde, je savais pas qu'il y avait une caméra. Ah, il y a une caméra, je me suis fait avoir. Mon fils infiltration, un peu trop bourrin. Si vous voulez, mon avis. Ça déjà c'est déjà plus intéressant. Quoi? Ouais,
Ouais, mais je vais la refaire parce que là je fais n'importe quoi. Mais ils voient pas que je suis en train de. D'accord, le poste de contrôle est là. Ça, c'est bon à savoir. Ah, ils en ont des choses à cacher, les salauds. Les salauds. Ah, attends. Oula. Forcément. Ah là 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 là. Sans déconner, c'était bien tenté d'y aller à fond à l'arrache. C'était vraiment bien tenté. À tel point que je vais rééditer l'exploit. Ah, presque. Le problème, c'est que l'autre m'entend. Parce que là, on est d'accord, j'ai rien. J'ai rien. Non, tu parles, c'est la. C'est le réfectoire. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Enfin, c'est même pas leur réfectoire, c'est leur cabane déjeuner pour leur pause. Ça me sert strictement à rien. J'y reviendrai après en bonus, mais c'est tout. Capitaine James Keen à Enseigne Charles Warren. Sujet les consignes. Enseigne Warren, dans votre propre intérêt, comme pour des raisons de sécurité, des patrouilles régulières assureront la garde du dock tant que le PRCS World Cloud restera à quai et la passerelle sera maintenue en position levée. Si vous ou vos hommes souhaitent accéder au World Cloud, elle peut être abaissée avec le code 6655.
Et il va sans dire que ce code ne doit en aucun cas être communiqué à de tierces personnes sous peine d'une action disciplinaire. Merci de coordonner l'action de vos hommes avec les officiers supérieurs de la FEMA présente. Captain Jenkins, chantier naval de Brooklyn. Infocube de Aston Green à Captain Jenkins. Captain Keane. Tant que le PCR... Ah oui, non, c'est bien les nouvelles instructions. Tant que le PRCS World Cloud est à quai, je vous serai gré de coopérer en vous soumettant au protocole de sécurité FEMA. En raison de la cargaison particulièrement délicate du World Cloud, le bateau restera à l'isolement tout le temps de son séjour à quai et le minimum de personnel sera autorisé à y accéder en permanence. Merci de prendre contact avec le contremaître du dock pour définir un code d'accès pour ces docks, pour ces dockers. Je suis sûr que vous superviserez en personne l'opération et que vous vous assurez qu'il comprend la nécessité de ces précautions. Aston Green, directeur de la sécurité FEMA. Infocube. Ah oui, j'ai déjà le code. You can sure tell the janitors haven't worked in a couple of days. Alors, oulala, faut falloir que je lise le journal. Il y a à lire au début du journal. Alors, petit journal. Une famille découvre une nouvelle espèce, New WordPress New York. Les Carruthers se promenaient tranquillement en famille le long d'une plage parfaitement paisible et quelconque de Californie lorsqu'ils sont tombés sur ce qui pourrait bien être une passionnante découverte scientifique. C'est ma femme qui l'a vu en premier, nous a déclaré Dan Carruthers. Au début, on a cru que c'était un lézard qui s'était noyé et avait échoué sur la rive, mais c'était trop gros. La tête surtout était énorme, et il avait des plumes sur les pattes. Mais il ressemblait vraiment à aucun piaf que je connaisse. Alors je me suis dit que ça pouvait être un de ces trucs préhistoriques comme dans les films, et j'ai décidé de prévenir quelqu'un. L'étrange carcasse ensuite... était transporté au département biologique de l'Université de Californie à Los Angeles, où il est examiné par le docteur Trey Herman. Une étude préliminaire révèle que ce corps n'entre dans aucune de nos taxonomies actuelles, a-t-il révélé. Il présente certaines caractéristiques secondaires de la mouette, mais un certain nombre d'autres qui rappellent plutôt les traits d'un reptile. La famille Carruthers a semblé prendre ça très tranquillement, même si je dois avouer que je suis très excité depuis que le docteur Herman nous a dit qu'il est possible que l'on baptise de notre nom, a toutefois ajouté Monsieur Carruthers. Caturers, enfin je sais plus comment on les prononce. Oui, bref, ils ont trouvé un des bestiaux du MJ-12 qui s'est barré... qui a été rejeté dans les eaux usées par rapport au board que j'ai foutu au MJ-12. Et voilà, donc le MJ-12 a que des emmerdes.
Et c'est ça qui est drôle. Bon, un passe-partout, est-ce que ça vaut le coup? On va vite le savoir. Ah, c'est du côté de la grue. D'accord. Je suis revenu du côté de la grue. Je me trompe? C'est ça. Je suis revenu du côté de la grue. Ok. Enculé. Putain, il va fermer la porte au nez. Ok, bon, j'ai pas compris le but de la manœuvre, mais... Ah, peut-être faire sauter l'aglo, en fait, c'était peut-être ça. Bon, du coup, je pense que je peux m'amuser à aller là-bas. Putain, il est 18h25. Oh, ça fait depuis 2 heures que je joue, je m'en rends pas compte. Remember the briefing. Je continue ou je jouerai un autre jour. Honnêtement, je m'éclate, mais faut peut-être que j'en garde un peu pour chaque jour, hein. Ça fait durer le plaisir. Attends, mais oui, mais attends. Someone's there. I can hear you. Attends, mais je suis pas entré là. Nothing here now. Non, les points d'alerte quand je... Ok. Whoever's out there, give yourself up. Oh merde. Hey, stop right there. Gotcha. Alors, je termine juste le local là. Et puis après, je reprendrai ma partie un autre jour. Mais ça aurait été un régal. Ça aurait été un régal. Attends, je vais essayer de pas me faire repérer. J'ai fouillé tous les corps. Thank you.
Oh, la divine récompense. Un accessoire de portée. Oh putain. Ça vaut son pesant de cacahuètes, l'accessoire de portée. Tranquillisant. Le fait de pouvoir tirer des tranquillisants à 15 km, ouais, ça me plaît. La puissance de l'arbalète. Ah ouais. Oh putain, c'est radioactif. Aïe aïe aïe, oui c'est radioactif. C'est le bail qui fait beaucoup. C'est... D'ailleurs, je vais être précautionneux. Putain, mais il est chiant. Alors, grenade, ouais, bof. Ah, lance-roquette, mais moi je m'en fous. Hein. Je vais aller fouiller les dépouilles des malheureux là. Merci. Oh putain, mais c'est pas possible, ils ont que des lance-roquettes en boîte. Leur spécialité. Merde, il y a encore un mec là-bas. Ah, allez, dis-moi que je vais terminer ma vidéo, mon ralenti sur un magnifique tir de sniper. Jamais le mec. Le mec ne revient jamais. Chier, pas mal. Il y a pas mal de peuple. Il arrive de s'arrêter dans sa ronde. Putain, il s'arrête jamais. Eh ben moi je l'ai arrêté. Non, il y a rien de... Ah ah ah. Caisse cadeau. J'ai la fameuse caisse cadeau. Oui,
vous avez gagné un décodeur. Oui, c'est merveilleux. Attends, je rêve ou c'est vrai? Non. Si c'est un vrai canal pour s'infiltrer. Non, vu le bordel. Je crois pas. Soldats d'élite. Bah, bonjour les soldats d'élite d'une G12. Comment je les défonce? Ah merde, il y a encore un mec là-bas. Putain, mais c'est pas possible. Il y en a tout autour du bateau. Oh là là, ils sont nombreux. Snipe. What? Bon, allez, la suite au prochain épisode. Moi, je deviens fou.